Oh frère Zizi, comment tu peux sortir? Oh, bah surtout eux. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh non. Non. Il y a le monsieur avec des chaînes. Je le vois, il est là. Oh j'ai les poils qui s'irisent. Oh, il m'a vu. C'est là. Non 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 non. Je peux pas monter, je suis dans le vide. Non, je suis foutu, je suis bugué. Putain, ça commence bien. Salut Vitou, salut le Jack. J'étais bugué, bordel. Non. Oh putain, jeu de 2013, il est pas fini, bordel. Il est là. Oh, puis ça fait peur. J'en ai plein le cul. Je fais tout le tour. S'il te plaît, fais pas le con, Roger. S'il te plaît. J'en ai plein le cul. Je joue pas, ah non. Ça t'a remis de la pile. Oui, ça m'a remis la pile en entière, du coup. Alors là, vaut mieux pas se casser la gueule parce que tu finis au trou. Ah, il me fait peur. La semaine dernière, j'étais un peu moins... Il est plus malin que toi. Ouais, il était plus fort que moi, ouais. Alors, il faut descendre. C'est là. Ça a l'air d'être là, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait là, ce con? Qu'est-ce que tu fous là? On voit rien, bordel de merde! Oh, je suis dans le mur! Comment on se couche? Oh putain! Mais je me souvenais pas de ça! Oh! Ah! C'était con! Ça peut durer longtemps comme ça. Hein. Oh, regarde, il y a un étage! Oh, bah qu'est-ce que je fais? Ah, bah merde, il y a encore des escaliers, tiens. Oh, bah dis donc, cet étage il est long! Non, mais j'arrête. J'arrête. Parce que sinon, ça peut durer, hein. Où est-ce qu'ils sont? Après avoir joué à ce jeu... Non mais en règle générale, ce que je fais... Qu'est-ce que tu fais ma chérie? J'ai pris une squee alors que j'ai rien demandé. Oh merde, c'est pas là, putain, je suis foutu. Oh my... Mais putain, mon dieu. Ce que je fais, c'est que j'arrête assez tôt, comme ça j'ai le temps d'aller, tu vois, me relaxer. Et relâcher les nerfs avant d'aller au lit, tu vois. Bon. Alors, les escaliers, c'est... Nikomuk. Non. Je suis mort, je suis dans la merde, je suis foutu. Aïe. C'était là alors? Je sais plus, moi je suis perdu, j'en sais rien, moi, vis ma vie, c'est là. On saute la marche, on n'oublie pas la marche, on est foutu. C'est bon. On va te faire enculer, toi, connard. J'ai une victime ici dans ma casse. C'est là. Ah, putain. Alors attends, on va follow le blood. On va peut-être regarder s'il y a des piles. Oh, quoique non. On va pas... Zizi. Zizi. Ah, c'est un couloir sans fin. Tu tournes en rond. J'en peux plus. Y a pas de lit.
Et t'es à l'envers. C'est les frères Zizi. Recharge. On va taper un sprint, Roger. Ils sont là. Les frères Zizi. Il y en a qu'un. Le deuxième frère Zizi. Oh, y'a un à la Wagba. C'était où? C'était pas là. C'était là. C'était pas là non plus. Je suis dans la merde. Follow mes couilles. C'est là. Bra. Ensuite. C'est là. C'est pas là, bordel de merde. J'ai envie de pleurer. Oh le PD. Oh j'ai eu peur. Mais quel con putain. J'ai chié dans le froc. Oh putain. Naïka j'ai eu peur. Oh mon dieu ce boum. Oh j'ai le boum boum qui tapouille là. Je vais retrousser mes manches parce que je sais qu'il faut courir. Allez. Oui, là, je vais mettre le caméscope. Ça va être une tuerie. Le War Rider. Le caméscope, il est cassé en plus, c'est de la baise. Je ne suis pas d'accord, Roger. Je sais où je vais, bordel de merde. C'était pas là. Je sais plus. Je sais plus. Si, c'était là. Comme un connard, je fais deux fois le tour des chiottes pour être sûr. Un dimanche, Martin. Avec ma putain... sur ma bicyclette. C'est moi, je suis là. What the fuck. Il y a un bug dans le jeu. Putain, comment que ça peut arriver ça? Ah oui. J'ai l'image du père Martin alors qu'il a rien à foutre là. Normalement, il est pas censé être là. Je le sais. J'en ai mis plein mes lunettes. J'ai tout foutu les traces sur mes lunettes. Je vois plus rien à travers. Cochon. Laissez passer leur porteur. Oh non, va niquer ta race. Casse-toi. Voilà, merci. Il est pas gentil, lui. Hein. D'y voir. Tu vas me casser les couilles, en fait. Je te déteste. Je peux pas sortir, je suis foutu. J'attends mon heure. Arbaille. Ah bah, je suis mort. Voilà, je me suis mis au fond du couloir comme une victime. Je vais s'arracher la gueule. Bon, maintenant, au moins, je le saurai, quoi. Dites-vous que c'est toujours ça. Je te déteste, Laika, c'est de ta faute. C'est toi qui as eu l'idée à la con de jouer à ce jeu, mon chien. Comment veux-tu que je fasse? Ah, d'accord, ok, propre. Ah, mais il y a un rond-point ici. Ah oui. On va à Dieu. Alors là, c'est pas le moment de bugger, Gérard, parce que j'ai avoir besoin de toi entier. Hein. Alors, il pète une porte, je passe par l'autre. Est-ce qu'il va casser toutes les portes comme ça? La liberté de la presse. Coucou, c'est nous! Casse ton connard. Il va péter celle-là. 2 heures après! Je la merde! Un samedi matin. Avec ma Justin. Mes couilles! Je pisse. C'est pas moi, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a vu!
Mais pourquoi il passe par la porte, ce con? C'est pas moi, j'ai rien fait. Va te faire enculer. Oh putain. Oh, ma petite dame. Mon chien, je t'ai fait peur. Oh, mon petit bébé, je t'ai fait peur, mon petit bébé. Viens faire des bisous à papa. Oui, rouf, rouf. Je vais bouger, là, prends plein les oreilles. Oh ouais, non mais... Je vais me faire casser la gueule. On est d'accord. Et jouer du piano debout. Oh lolo. Le con. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Alors je ne suis pas sûr que je vais rentrer en fait, tu vois. Parce que le con... Je t'embête pas. Hein. En fait, faut se méfier de tout le monde et de tout ici. Hein. Je vais même fermer la porte. S'il te plaît. Non mais, Mongolien, tu te rends compte de ce que tu fais? Là. Putain d'imbécile heureux. Puis en plus, il y a une musique tout à fait rassurante maintenant. Oh putain. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Ah ouais, mais je peux pas m'en aller. Alors si ça te fait pas chier, je voudrais bien m'en aller. Je suppose que... Il va passer par quelle porte? Par là. Ok. Sauf que le temps que je cours, il me faut 2 heures. Donc là, il était à ma droite, on est d'accord? Donc là, on est à gauche, hop hop hop, à droite. Et on s'en va, je sais pas comment, mais on s'en va. Alors ça ne marchera pas pour cette fois, voilà, et ben c'est foutu. C'est où qu'on s'en va, bordel de merde, chatte? C'est pas là, putain de dieu de bordel de merde! Veux-tu bien t'en aller de là, petit freluqué? S'il te plaît, mon chat, c'est pas le moment! C'est où la sortie, bordel de merde? Alors c'était à une des chambres ici, alors? C'était pas celle-là. Dans le cul. Bon, bah déjà, c'était déjà pas celle-là. Alors, on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. C'est ça le problème, c'est que je ne sais pas du tout. Il est où? Et ben voilà, je le sais maintenant. Il a pété toutes les portes, mais toutes, hein. Il en reste pas une. Donc là, dans ce couloir-là, c'est pas faisable que ce soit ça. On est d'accord, voilà, bidule, je suis foutu, parce que je me suis empâturé là-dedans. Je suis empâturé dans une chaise. Donc j'ai même pas pu voir, voilà, je suis foutu. Alors normalement, c'est pas où lui, il apparaît, donc c'est à droite. On a fait celle au fond à gauche, je crois. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est cette connerie? Oh bâtard! Oh non, pas encore! J'en ai plein le cul de courir! Au secours! Excite, oui, justement. Alors, on barre la route, on ne veut pas que je m'excite. Là... Oh non! Oh, mais comment veux-tu que je passe? Il y a un fantôme d'un côté, puis le bro de l'autre. Elle est déjà prête, Vincent, pour demain. La présentation de map. La Sandy Bay. Ah, on filme. Je veux filmer, je suis un reporter. Ah, pas dégueulasse. Donc apparemment, le gros serait... Je suis chaud à mort. Bah, apparemment, t'es le seul, mon petit Thomas. Non, mais on peut, hein, moi, je m'en fous. Hein. Donc là, il y a un deuxième rond-point au cas où. Ça serait cool le DLC car le jeu est cool. Ça marche. Et du coup, je m'en suis souvenu, mais c'est dans le DLC que le mec coupe des zizi pour en faire des foufounes. Rond-point, 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 rond-point.
Je ne regarde pas derrière. Ça sert à rien de fermer la porte, c'est un fantôme, bien évidemment. C'était pas ici, parce que je suis un gros guignol. Il faudrait juste tailler un tout petit peu plus vite, en fait. Parce que j'ai juste un fantôme au cul, en sachant que j'ai juste fermé une porte, ce qui ne l'arrêtera probablement pas. Alors, Billy, ce serait ça? Ça, c'est Billy. Ok. Donc, du coup, faut pouvoir y faire fermer sa gueule. Oh ouais, non, mais t'as vu comme il est attaché? Oh, le pauvre. Le système de sécurité n'est pas activé. Alors, document. Non, c'est pas ça, connard. C'est le document. Je veux le document, tu te fous de ma gueule? Merci. C'est pas la peine de taper comme un bubble là-dessus. Hein. Alors, c'est où qu'il faut que j'aille? Donc là, il y a un bonhomme. L'alimentation électrique. J'ai pas vu. J'ai pas vu. C'est là? Non, c'est pas là. Il est où ce bâtard? Apparemment, je l'ai au cul parce que je l'ai entendu. Surtout, tu fermes la porte dans le bon sens. Laïka, arrête de me pousser. Non, non, bordel de merde, j'ouvre la porte. Quel con. J'ai ouvert à la place de fermer. Nikomuk. Alors là, faut faire quoi, il a dit? C'est pas ça. Il faut aller là. A plus, Rémi. Ça marche. Bonne rediff en avance, alors. Je pense qu'il doit pas être bien loin. J'ai peur de regarder derrière moi et j'ai pas réellement envie. Parce que quand je vois que ça s'assombrit, j'ai peur. D'accord, donc t'as rien trouvé mieux à faire que de me faire monter là-dessus. Mais quelle connerie! Puis il a peur, ce con, puis moi aussi, ce coup-là. J'ai les poils qui s'irisent encore un coup! Putain, mais faut monter loin. Il faut faire quoi? Roger. C'est là la sortie? S'il vous plaît, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça sert à rien. Si, mais en fait, le temps qu'il prenne son temps de passer en dessous... Tiens, il est là. Le temps qu'il prenne son temps pour passer en dessous, en fait, ça le ralentit un tout petit peu. Et je cours. Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec Juju. Et ses gros poils au cul. Comme un trou de banou et de tresse. Sans comprendre la détresse. Je pense que je peux le dire, ça change rien. Le DLC se passe avant et pendant le jeu en lui-même. Donc en gros, là, le DLC il démarre avant le jeu normal. Et il est en parallèle avec le jeu qu'on vient de faire, tout simplement. Ah, il est pas très chouette, lui. Ah, puis je prends des claques dans la gueule, ça commence bien. Voilà, je suis toutes tes vidéos. Merci Dylan, c'est gentil. Ah, oh, puis il me lèche. Dégueulasse. Ah, t'es sale. Oh, Pete and Tom. Come to join our therapy session. Here, take the blade. Get around in our... Ah, c'est dégueulasse. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. No. You're one of those. Too good for the likes of us. Think you're different? Ah, ah. There are no... En couleur même. En rouge et noir. Oh, c'est dégueulasse. Doucement. Cassez-vous d'ici avant que je change d'avis. Ah bah excusez-moi, je passe. Merci, au revoir. Merci. Je suis un reporter, messieurs. Donc maintenant, laissez-moi tranquille. Ben, on est parti. Connard! Ah, putain, il me tape dessus, l'enculé!
Just do it. J'ai eu peur. J'ai flippé ma putain de grosse mère. Ah ouais, mais je vais où ce coup-là? Ah, il a fermé la porte, même. Billy, casse-toi. Putain. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Nom de Dieu. Tiens. Just do it. C'est bon, t'es calmé? C'est un... Ah puis ça, il a même mis en note. C'est dégueulasse. Disons que c'est pas très propre. Ils sont à la pause café. Alors c'est pas très propre, hein. Voilà, vous voyez un petit peu. Il est pas très gentil celui-ci. Et il fait cuire en plus, hein. Non mais tu vois, des fois que ce soit meilleur. Regarde, regarde-moi ça, regarde-moi le scon là, puis on voit rien. Il vient de te dézinguer et de te couper le jean. Oh la vache. Faut vraiment être arrangé quand même. Guette-moi le. Guette-le. Tu m'as pas fait. Non mais il a mis la tête du bonhomme dans le micro-ondes. Je l'aime. Et il le coupe à la disqueuse. Oh là 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 là. On s'en va. C'est dégueulasse, c'est ignoble. Ignoble. Il n'y a pas l'air. Il m'a pas vu. En fait, c'est surtout ça qui m'intéresse. Je suis en mode... Tu ne me vois pas. Alors, il faut que je récupère je ne sais quoi. Les clés de la menotte. Le problème, c'est de trouver la clé. Oh, tu fais chier. Tiens, tu la vois ta mère là? Culé. Putain, j'ai pas le choix que de retourner là. Alors du coup, j'ai dû la louper. Voilà ce que j'ai dû faire. J'ai dû louper. Mais il est resté pendu le con. Il est buggé dans la porte. Le connard, il est buggé dans la porte. Il est buggé dans la porte, le con. Ah, d'accord. Alors, excusez-moi, je passe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est? Le connard. Oh non. Ah oh, puis je vais cramer. Non. Au nom de Dieu. Oh, c'est qui Karip? Le troisième. Ah ok. Comment on rep... Je vais pas crever ici, moi. You were mine. Mais en fait, le truc, c'est que je sais même pas si ça sauvegarde ou pas.